Christine après l'amour, elle aime bien faire la causette. Moi j'aurais préféré l'autre jour qu'elle s'allume une cigarette. Même si j'aime pas la fumée, c'eût été moins gênant que sa question. Voudras-tu un jour des enfants? J'ai dit que non, j'en voulais pas. Faire des gosses pour les blaireaux qui aiment ce monde qui marche au pas. Qu'ils soient bourgeois ou prolo, je vois pas comment je ferais croire à un enfant aujourd'hui que son petit monde est plein d'espoir, qu'il va pas se faire manger tout cuit. J'en ai parlé avec Nono, elle m'a dit j'essaye de profiter. La vie ça peut être un cadeau, il suffit de bien l'emballer. Elle savait que c'était pas l'orgie, qu'on était tous dans la galère. Mais soit on se tait, soit on agit, les belles paroles ne valent pas cher. Mais pour répondre à ta question, un peu de bon sens me suffira. On est sur terre pour une raison, et c'est exclusivement pour ça. J'ai pas envie que sur mon lit de mort, autour de moi y'ait que des chats, pour pleurer sur mon triste sort, ni pour chier sur mes draps. J'en ai parlé avec Dodov, il m'a fait c'est hallucinant tout ce qu'on nous cache dans un coffre chez Rockefeller depuis 100 ans. Par-dessus tout ce qu'ils débectent, c'est rien de plus que la complaisance des beaux salauds, des gens honnêtes qui ne pensent qu'à leur compte en banque. Mais pour répondre à ta question, bien sûr que j'en aurai. J'espère être moins bête que mon daron, qui était loin d'être un expert d'un point de vue purement démocrate. J'en veux 300 des petits loupiaux pour en faire une armée de spartiates qui pètera la gueule à ceux de Sarko. Débarque et dans ses bras gigote le petit Paolo. Ton problème, il me dit tout bas, c'est que tu réfléchis trop. Si tu veux des gosses, mon pote, y a pas 36 solutions. Faut que t'arrêtes les psychotropes et de te poser des questions. Parce qu'attendre le bon moment, des fois c'est attendre toute sa vie. D'avoir l'appart, le taf, le temps, la thune pour rembourser le crédit. Ce moment-là, espèce de nouille, ben il arrive que chez les anges. Et là tu me casses un peu les pieds, tiens-le-moi, faut que je le change. De ses 60 balais et du plus profond de son âme, dans un sourire des plus discrets, Manon m'avoue comme dans un drame. Nous, les enfants, on les faisait. C'était comme ça et puis c'est tout. C'était pas la peine d'en parler. Un prolongement de notre amour. D'accord, des fois c'est un peu dur, mais ça vaut le coup. Sois-en certain, le bonheur que ça procure, remets les soucis à demain. Je te parle même pas de la magie qui me prend au cœur, qui me transporte quand ceux qui m'appellent mamie viennent frapper à ma porte. Ces discussions, je me sentais pas plus investi de la ferveur d'être parent, du désir de donner la vie. Alors je suis rentré chez moi chercher un peu de tendresse, mais sur la table près du sofa, je ne trouve qu'un test de grossesse. Et en sortant de la salle de bain, voilà ma chérie qui se paie ma gueule. Elle me touche le front, me prend la main. J'aurai la tête d'un épagneul, j'ai éboudé pendant des jours. J'aime pas ce genre de plaisanterie, mais t'as vu l'heure, je suis à la bourre. J'ai rendez-vous pour l'échographie.